Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, les travaux reprennent sur le colloque portant sur la reterrorisation du droit pénal. Alors, souvenez-vous les épisodes du passé. Hier, il a été question de repenser la légalité pénale, et puis il a été question aussi peut-être de repenser l'infraction pénale. Nous avançons un petit peu dans le procès pénal pour aujourd'hui nous concentrer sur faut-il repenser le procès de l'infraction ? Et à partir de la dernière intervention d'hier en fin de journée d'Emmanuel Dreyer sur la question de savoir si le droit pénal était un droit pénal de l'infraction ou un droit pénal du délinquant, je me dis que l'intitulé « Repenser le procès de l'infraction » et non pas « Repenser le procès fait à la personne mise en cause » a été mûrement réfléchi et c'est déjà l'expression d'une pensée et d'une théorisation des travaux de ce matin. Alors, faut-il repenser le procès de l'infraction sous un double regard dans cette première séquence de la matinée ? D'abord au regard des actions nées de l'infraction, et puis au regard de la phase préalable au jugement. Et s'agissant de repenser le procès de l'infraction au regard des actions nées de l'infraction, il en a été question hier. Guillaume Bossoni a été empêché, et donc il n'est pas parmi nous ce matin, et nous ne pourrons donc pas l'entendre sur la question de repenser l'action publique. En revanche, et c'est par cela que nous allons commencer, la question reste ouverte de la place de la victime dans le procès pénal, et le sujet va être traité par Charlotte Claverie-Rousset, professeure à l'Université de Bordeaux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je souhaiterais, à titre préliminaire, remercier le professeur Jacques Leroy pour son invitation, pour m'avoir proposé d'intervenir. Sa proposition, pour tout vous dire, a été faite autour d'un café dans les locaux de LexisNexis à Paris pour les ateliers régionaux de jurisprudence, donc totalement par hasard, finalement. Mais c'est souvent comme ça que se jouent les interventions dans les colloques, et donc j'en suis ravie. Merci aussi, plus globalement, à toute l'équipe de l'Université d'Orléans pour l'accueil qui m'a été réservé, et notamment le dîner d'hier soir très agréable. Et puis, je suis heureuse de retrouver certains collègues connus et d'en rencontrer de nouveaux. C'est ce qui fait aussi le charme des colloques, la dimension humaine. Alors, le thème qui m'a été confié, de repenser la place de la victime dans le procès pénal, c'est un projet ambitieux et délicat, surtout en une vingtaine de minutes, même si j'ai compris qu'on pourrait un tout petit peu dépasser sous le contrôle du président. Alors, un projet ambitieux d'abord, puisque évidemment c'est une vaste question qui suppose de couvrir toutes les phases du procès pénal, nombreuses et assez différentes. Vu le temps imparti, je ne crains de pouvoir aborder tous les aspects, d'autant que la littérature contemporaine sur le sujet est assez abondante. Alors, outre les travaux du professeur Leroy, évidemment, je ne peux pas ne pas mentionner le colloque organisé à Grenoble l'année dernière par la FDP, dont d'ailleurs l'organisateur et plusieurs participants sont présents à ce colloque. C'est un projet délicat ensuite, puisque la place de la victime, c'est une des grandes questions qui est teintée de politique criminelle, me semble-t-il, et on ne peut pas la résoudre sans un certain parti pris, selon que l'on est plutôt favorable ou défavorable à donner un rôle décisif à la victime. Alors pour toutes ces raisons, je m'oserais à proposer quelques pistes de réflexion, éminemment personnelles, et qui, j'espère, pourront susciter le débat lors de la phase de discussion. Alors la première remarque, un peu banale certes, c'est qu'on peut faire, c'est l'absence de définition du terme victime, à la fois dans le code pénal ou dans le code de procédure pénale, alors que pourtant le code de procédure pénale l'utilise très souvent, il utilise aussi parfois les termes de partie lésée ou encore de partie civile. Alors malgré cela, on peut s'accorder à dire que la victime de l'infraction, c'est la personne physique ou morale qui a subi le résultat légal de l'infraction. Par exemple, dans le meurtre, c'est la victime, c'est la personne qui a subi l'acte homicide. Alors s'agissant de la partie civile, c'est la personne physique ou morale que la loi autorise à exercer une action en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction, l'action civile, devant la juridiction répressive. Et donc les deux notions, victime et partie civile, ne coïncident pas, ne se superposent pas systématiquement, puisque une personne peut être partie civile sans être victime directe de l'infraction. C'est le cas notamment d'une victime par ricochet, telle que le conjoint ou le parent d'une victime d'un homicide. Et réciproquement, il est possible aussi qu'une victime, pour telle ou telle raison, choisisse de ne pas se constituer partie civile. Alors d'un point de vue historique, et très brièvement sans revenir sur toute l'évolution du droit pénal et de la procédure pénale, je souhaiterais simplement rappeler que dans les temps les plus anciens, lorsque la justice pénale n'était pas étatisée ni centralisée, c'était la vengeance privée qui prédominait, notamment entre les clans. Et donc la victime, c'était pas seulement celle qui avait subi
l'infraction, c'était aussi celle qui allait se venger. Et donc elle jouait un rôle assez prépondérant. Et puis au fur et à mesure de l'institutionnalisation de la justice, la victime a perdu de son importance, en même temps que la justice pénale s'est tournée vers l'auteur de l'infraction. Alors notamment sous le code d'instruction criminelle, et même pendant plusieurs décennies sous l'empire de notre code de procédure pénale actuel, la victime a été considérée, et là encore c'est un peu une banalité de le rappeler, mais comme la grande oubliée du procès pénal. Alors cette exclusion de la victime dans le procès pénal, elle est traditionnellement justifiée par l'objet du droit pénal et de la procédure pénale, qui est avant tout de sanctionner l'auteur d'une infraction pour le trouble qu'il a causé à l'ordre social, et seulement de manière secondaire de sanctionner le trouble qu'il a causé à telle victime en particulier. Donc malgré ça, depuis une dizaine d'années maintenant, surtout, la victime fait de plus en plus l'objet de l'attention du législateur, notamment pour favoriser son indemnisation, mais pas seulement. Parce que dans la procédure pénale française, finalement, la victime a des prérogatives assez différentes, assez variées. Alors évidemment, d'un côté, beaucoup de dispositions sont tournées vers son indemnisation. Et c'est logique au regard de l'objet de l'action civile, puisque c'est obtenir la réparation du préjudice causé par l'infraction. Elle tend donc à obtenir des dommages et intérêts, mais aussi des restitutions, des prestations pour remettre la victime dans sa situation antérieure, etc. Cependant, d'un autre côté, il y a aussi des cas dans lesquels les constitutions de partie civile sont recevables, alors même que des dommages et intérêts ne vont pas être alloués par le juge pénal. Et la Cour de cassation admet depuis très longtemps que demander des intérêts pour la partie civile est une simple faculté et non une obligation. On dit alors que la constitution de partie civile va corroborer l'action publique, et c'est l'aspect vindicatif de l'action civile. Alors, comme l'a démontré Fernand Boulan dans son célèbre article, l'action civile posséderait ainsi un double visage, à la fois réparateur et vindicatif. Cet aspect vindicatif mérite d'ores et déjà quelques explications, à savoir qu'en fonction des circonstances, et notamment des infractions, les victimes peuvent rechercher non pas la réparation de leur préjudice, mais uniquement la punition du coupable. Le procès pénal a donc une fonction cathartique, parce qu'il va permettre à la victime de manifester sa souffrance et ainsi essayer de mieux la dépasser. Donc lorsque la victime décide de se constituer partie civile pour répondre à un désir de vengeance, elle souhaite obtenir une déclaration de culpabilité pénale et une condamnation à une peine pour satisfaire son besoin de vengeance. Alors à partir de là, pourquoi faudrait-il repenser la place de la victime dans le procès pénal? Et surtout, faut-il le faire? Alors il me semble qu'il y a deux aspects qui sont irrémédiablement liés l'un à l'autre. D'abord sur la forme. Sur la forme, les dispositions qui sont relatives à la place de la victime ont fait l'objet de réformes législatives et d'évolutions jurisprudentielles assez saccadées, au gré des tendances politiques, mais aussi des transpositions de directives de l'Union européenne depuis maintenant une quinzaine d'années, si bien que la cohérence de l'ensemble, finalement, en a été amoindrie. Et on peut se demander si, derrière tout cet amas de règles, il existe une réelle théorie. Alors, il pourrait être judicieux, comme certains l'ont proposé bien avant moi, de mieux classer les dispositions relatives à la victime. C'est déjà un petit peu le cas avec la loi du 17 août 2015, qui a créé au début du code de procédure pénale un sous-titre 3 des droits des victimes, comportant les articles 10-1 et suivants. Même si ces textes, je trouve, s'apparentent un peu à de la réglementation technique à l'image d'une énumération par tiré, comme c'est souvent le cas en matière de transposition de directives. Alors il s'agit surtout de règles qui sont relatives à l'information des victimes, comme le droit de se constituer partie civile, de constituer avocat, de se faire aider par une association de victimes, etc. Et même si ces droits ne traduisent pas à eux seuls la place de la victime dans le déroulement et dans l'issue du procès pénal, ils sont importants et ils montrent une transformation accrue du procès pénal avec au premier plan les droits des victimes. Alors concrètement, sur le plan formel, la solution la plus adéquate serait peut-être de procéder à ce qu'on appelle un toilettage du code de procédure pénale et de faire un chapitre ou une section du code sur les dispositions générales relatives aux victimes. Alors avec la question de savoir est-ce que c'est les victimes ou est-ce que ça pourrait s'appliquer aux parties civiles, ce qui supposerait un choix politique et un effort peut-être de définition. Et puis d'autres dispositions particulières spécifiques à tel ou tel acte procédural. Mais pour ça, encore faut-il déterminer ce qui mérite modification sur le fond. Donc là, c'est le deuxième aspect. Alors, il me semble, et j'ai fait un choix compte tenu de la durée de l'intervention, que ce qui est contesté surtout par la doctrine à l'heure actuelle, c'est l'aspect vindicatif de l'action civile, et non pas l'aspect réparateur assez classique, quoi qu'on pourra un petit peu nuancer cette affirmation. Le problème
Le problème, c'est que les deux aspects sont liés et qu'il n'est pas envisageable de faire varier les règles applicables selon les motivations personnelles de la victime, d'autant que ces motivations sont souvent mixtes, c'est-à-dire que la victime est à la fois animée par un désir de vengeance et une volonté d'obtenir une compensation pécuniaire, faute de pouvoir revenir sur le passé. Donc tout l'enjeu, ça va être de préserver les intérêts et les attentes légitimes des victimes, sans pour autant privatiser le procès pénal, qui reste une chose publique. Et donc, à mon sens, il ne faut pas vouloir forcément réformer à tout prix, mais seulement clarifier le rôle de chacun et peut-être accentuer certains traits, certaines règles qui sont déjà existantes. Alors, l'objectif commun, normalement, du ministère public et de la victime, c'est la manifestation de la vérité, afin que, le cas échéant, la culpabilité de la personne poursuivie soit établie et qu'elle soit condamnée à une peine. Alors, de ce fait, une décision juste ne pourra être prise qu'à partir du moment où la juridiction de jugement dispose du maximum d'informations possibles pour forger son intime conviction. Donc la victime, me semble-t-il, a un rôle à jouer dans la manifestation de la vérité, mais pour autant, cette victime, elle est nécessairement partiale, et donc il est impératif que les décisions restent du domaine du magistrat, alors que ce soit le parquet dans la phase des poursuites ou bien les magistrats du siège pendant les phases d'instruction, jugement ou application des peines. Et à partir de là, je pense qu'il faut d'une part favoriser le rôle de la victime dans la manifestation de la vérité, ce sera l'objet de ma première partie, et d'autre part maintenir les restrictions qui limitent le pouvoir de la décision de la victime sur la répression, ce sera l'objet de la seconde partie. Donc dans la première partie, l'idée que je souhaiterais mettre en avant, c'est l'idée de favoriser le rôle de la victime dans la manifestation de la vérité. Donc pour que la victime puisse apporter sa contribution dans la manifestation de la vérité, encore faut-il qu'elle bénéficie de certaines informations. Le droit à l'information va lui permettre de participer activement à l'enquête ou à l'instruction de façon à mettre l'affaire en état d'être jugée. Donc il faut envisager en premier lieu le droit à l'information de la victime. Depuis quelques années, la victime bénéficie de plus en plus d'informations, ce qui contribue non pas à la placer dans une situation égalitaire avec les autres acteurs du procès, mais montre tout de même un certain équilibre, ou en tout cas un certain équilibrage qui s'est fait à son profit. Ce droit à l'information se manifeste dès le stade des poursuites, puisque les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer la victime d'un certain nombre de droits, notamment son droit d'obtenir réparation du préjudice, et puis d'autres informations qui sont destinées à lui faire connaître l'état d'avancement de l'enquête et donc satisfaire son droit de savoir si l'auteur présumé des faits a été identifié, s'il va être poursuivi, etc. Donc les victimes ont en effet, par exemple, le droit de connaître de la part du procureur de la République l'état d'avancement de la procédure, notamment sur les suites qui ont été données à sa plainte, si l'auteur a pu être identifié. Et dans le cas d'un classement sans suite, le procureur doit indiquer les raisons qui justifient un tel classement. Donc la victime obtient des explications, par exemple, sur l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Ensuite, le législateur s'est attaché à consacrer à la victime un droit à l'information lors de l'instruction préparatoire, qui concerne donc quand même proportionnellement un nombre infime d'affaires, mais qui est assez important quand même en pratique pour la victime concernée. Donc dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime donc de l'ouverture de la procédure, du droit de se constituer partie civile. Ça lui permet d'exercer ses droits pendant l'instruction sans avoir à attendre la phase de jugement. Le magistrat instructeur doit informer la victime qui se porte partie civile donc de son droit d'être assistée par un avocat, de ses modalités de désignation, etc. Et un certain nombre d'informations lorsque la personne mise en examen est soumise à un contrôle judiciaire avec une interdiction de recevoir ou d'entrer en relation avec la victime et tout un tas d'autres informations. Et dans le déroulement même des investigations, la partie civile va être informée de tous les actes qui la concernent, notamment des conclusions d'expertise, la fin de l'information, le règlement. Alors ces différentes informations vont permettre à la partie civile de porter un regard sur les actes de la procédure et pouvoir ainsi respecter le principe du contradictoire, d'autant que elle et son avocat bénéficient d'une forme d'accès aux dossiers qui lui ont été reconnus assez récemment, sous réserve de ne pas trahir le secret de l'instruction. Alors il y a là effectivement un difficile équilibre à trouver, puisqu'il me semble que d'un côté, il est légitime que la partie civile ait une forme d'accès au dossier. L'enjeu est quand même moindre, à mon sens, que pour la personne mise en cause, puisque cette dernière a réellement besoin de l'accès au dossier pour se défendre. Alors que l'intérêt vindicatif de la partie civile est normalement défendu par le ministère public, au moins partiellement.
En tout cas, tous ces textes mettent en lumière l'abondance des droits d'information de la victime qui ont été consacrés par le législateur. Mais ce n'est pas tout, puisque la victime, en plus d'être informée, va pouvoir participer activement à l'établissement de la vérité. Donc, en second lieu, le rôle actif de la victime dans l'établissement de la vérité. Alors, une précision pour vous indiquer que pour participer de manière privilégiée, entre guillemets, à l'établissement de la vérité, la victime doit quand même s'être constituée partie civile. Il ne faut pas que ce soit n'importe quelle victime. Alors, la partie civile peut participer à l'établissement de la vérité, notamment par la possibilité qui lui est offerte, en vertu de l'article 81-1 du Code de procédure pénale, de demander au juge d'instruction de procéder à tous les actes qui rejoignent cette finalité. Donc, afin de faire avancer la recherche de la vérité, la partie civile peut solliciter du juge d'instruction de réaliser un acte qui aura pour objet d'apprécier, certes, ses propres préjudices ou recueillir des renseignements sur sa personnalité, mais aussi, elle peut demander à ce qu'il soit procédé à sa propre audition, à celle d'un témoin, à celle d'une autre partie civile, à une confrontation, un transport sur les lieux, demander à ce qu'il ordonne la production d'une pièce utile ou tous les autres actes donc, qui sembleraient utiles à la manifestation de la vérité. Alors, il est vrai que le juge n'est pas tenu de faire droit à cette demande, mais en cas de refus de la part du juge d'instruction, il doit motiver son ordonnance. À défaut de quoi, donc, la partie civile pourra saisir le président de la chambre de l'instruction. Et puis, toujours sous le contrôle du juge d'instruction, la partie civile peut poser des questions ou présenter des observations, brèves observations, lors des interrogatoires, confrontations, auditions. Elle peut demander une expertise, préciser les questions qu'elle souhaiterait poser aux experts, etc. Et en outre, la partie civile a, à certains égards, davantage de moyens d'action que les services de police ou le juge d'instruction, puisque, en se fondant sur l'article 427 du Code de procédure pénale, qui pose le principe de liberté dans l'administration de la preuve, la Cour de cassation considère que les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante après les avoir soumis à examen contradictoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la recherche des preuves par la partie civile est considérablement facilitée, puisqu'elle peut produire des moyens de preuve qui auraient été obtenus de manière déloyale ou illicite, alors même que c'est refusé aux autorités policières ou judiciaires. Alors, non seulement les enquêteurs ne peuvent pas provoquer à l'infraction, ils peuvent seulement provoquer à la preuve, dans la jurisprudence assez classique, mais désormais, la jurisprudence condamne les stratagèmes qui vicient la recherche de la preuve par un agent de l'autorité publique. Alors certes, la jurisprudence réprouve les pratiques déloyales d'obtention de preuves par un particulier lorsqu'elles résultent d'une collusion frauduleuse avec les autorités publiques, lorsque par exemple le particulier n'est qu'un intermédiaire avec les autorités publiques. La jurisprudence le réprouve aussi lorsque, même dans des solutions assez sévères selon moi, les enquêteurs devaient bien se douter que le particulier allait réaliser un tel acte, ce qui me semble vraiment, vraiment sévère. Mais surtout, on peut se demander si une telle jurisprudence ne conduit pas à inciter finalement les parties privées à réaliser elles-mêmes leurs investigations, là où les autorités publiques ne le peuvent pas, et en cachette de surcroît. Alors, sans tomber dans des dérives, notamment des recours de victimes à des enquêteurs privés avec tout ce que ça induit sur des actes attentatoires à la vie privée, une discrimination aussi en fonction de la situation de fortune de la victime qui peut avoir les moyens ou pas de se payer un détective, je pense qu'il faudrait quand même essayer d'harmoniser un petit peu les solutions applicables en matière d'autorité publique et de particuliers. Alors oui, pour que la victime participe à l'établissement de la vérité, mais non pour qu'elle le fasse de manière artisanale et clandestine, de façon à contourner l'interdiction qui est faite aux autorités publiques. Alors enfin, au-delà des investigations que la partie civile peut mener seule ou dont elle peut bénéficier, son rôle se traduit dans l'établissement de la vérité par sa participation au débat contradictoire, notamment pendant la phase de jugement, puisque la partie civile peut directement poser des questions aux prévenus ou à l'accusé, aux témoins ou à toute personne qui est appelée à la barre. Donc je pense que la victime a sa place dans la phase préparatoire, entre guillemets, du procès pénal, consistant à mettre l'affaire en état d'être jugée, car elle peut disposer d'informations utiles aux enquêteurs et éventuellement réaliser elle-même certains actes d'investigation. Il resterait tout de même à déterminer si ce rôle doit concerner seulement les victimes parties civiles ou bien toutes les victimes.
Mais son rôle doit s'arrêter là. En effet, hormis le déclenchement facultatif de l'action publique qui lui est reconnue, visant à contrer l'inertie du ministère public, sur lequel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas revenue parce qu'il me semblait que ça ne posait pas vraiment problème, la victime n'a pas à prendre de décision, selon moi, sur une décision qui influerait sur la conduite ou l'issue du procès pénal. Ces décisions doivent rester du domaine des magistrats et eux seuls. Donc il me paraît pertinent de maintenir les restrictions limitant le pouvoir de décision de la victime sur la répression, et c'est l'objet de la seconde partie. Alors pour traiter cet aspect, il faut répondre à deux questions que je traiterai successivement. Pourquoi et comment ? Alors en premier lieu, pourquoi ? Pourquoi limiter le pouvoir de décision de la victime ? Donc plusieurs arguments sont généralement avancés pour justifier l'exclusion de la victime dans le processus de décision sur l'action publique. D'abord, on peut rappeler que le procès oppose le ministère public, représentant légitime de la société, à l'auteur de l'infraction. Et donc la procédure pénale vise à protéger l'intérêt public et la peine est prononcée pour le compte de la société et non pour le compte de la victime. Autrement dit, même si on peut constater un certain équilibrage au sein de la procédure pénale, dans le sens où plus on reconnaît de droits aux mises en cause, plus corrélativement on reconnaît de droits à la victime, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un procès qui est intenté par la victime. Il ne s'agit pas d'un procès intenté par la victime contre le mis en cause, mais c'est le ministère public contre le mis en cause. Donc la victime, partie civile, n'est qu'un accessoire facultatif par rapport au ministère public. Pourtant, la prise en compte toujours plus grande de la victime fait craindre à certains une forme de privatisation du procès pénal. Et la doctrine craint aussi une confusion entre la punition et la réparation, puisque depuis maintenant quelques années, le droit pénal français comporte un grand nombre de dispositions qui viennent mêler réparation et répression. Alors, sans prétendre à l'exhaustivité, la médiation pénale, la composition pénale, ou encore la peine de sanction-réparation mise en place en 2007. C'est aussi le cas du dispositif instauré par la loi du 25 février 2008 en ce qui concerne la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental, puisque dans ce cas, l'auteur des faits qui va être déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du Code pénal, la déclaration d'irresponsabilité sera quand même précédée d'un débat sur la culpabilité, ou en tout cas le fait qu'il existe des éléments à charge pour établir la réalité des faits subis par la victime. Et donc ce système qui a été créé notamment sous la pression des associations de victimes constitue une sorte d'alternative au divan, puisque en pareille et en pareille hypothèse, le procès pénal est privilégié au procès civil justement pour son effet cathartique que j'évoquais tout à l'heure, auquel évidemment s'ajoute la possibilité d'indemnisation. Alors dans ces différents exemples, l'objectif de répression du procès pénal demeure, mais il est doublé d'un objectif de protection des intérêts privés, voire de restauration des rapports entre la victime et le délinquant, ce qui est plus proche de la réparation que de la punition. Donc le procès pénal a changé finalement dans sa finalité, la protection de l'intérêt général est concurrencée par la protection d'intérêts privés, et ça conduit à un brouillage des finalités du droit pénal et au recul parfois du caractère un peu impératif de certaines règles. Donc c'est la raison, selon moi, pour laquelle, si la préservation des intérêts de la victime est inéluctable, il ne faut pas lui reconnaître de pouvoir de décision. Alors si on voit aisément les obstacles qui existent à donner un rôle trop important à la victime, concrètement, comment faire pour limiter son rôle ? Donc il nous reste à envisager en second lieu la question du comment. Donc dans tous les cas, selon moi, la victime ne doit pas pouvoir prendre une décision sur l'issue de l'action publique. S'il est acquis qu'elle peut éventuellement mettre en mouvement cette action lorsque le ministère public ne le fait pas, c'est tout. Donc s'agissant par exemple des poursuites, il faut maintenir des alternatives aux poursuites qui seraient fondées sur l'indemnisation de la victime. Par exemple, il y a certaines procédures d'alternatives aux poursuites qui permettent d'éviter justement une action civile à des fins purement vindicatives. Par exemple, sur l'article 41-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que s'il apparaît au ministère public qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur peut demander de réparer le dommage résultant de l'infraction, procéder à une mesure de médiation et ainsi de suite.
S'agissant ensuite des décisions qui sont relatives à la liberté de la personne mise en cause pendant l'enquête et pendant l'instruction, le code de procédure pénale ne permet heureusement pas à la victime d'y prendre part, ce qui est tout à fait normal. La victime n'a pas son mot à dire sur le placement en garde à vue du suspect ou son placement en détention provisoire, donc la victime est écartée des débats qui peuvent exister sur ce point. C'est normal puisque le procès pénal n'a pas à être privatisé et surtout les restrictions de liberté imposées à la personne poursuivie constituent une atteinte à ses droits fondamentaux et donc ne peuvent être décidées que par des magistrats garants de l'autorité judiciaire. Alors ensuite, s'agissant de la culpabilité de la personne poursuivie, c'est bien entendu à la juridiction de jugement et à elle seule de statuer sur la question. L'intime conviction des juges sera forgée à partir des éléments de preuve soumis à leur appréciation, d'où la nécessité pour la victime de collaborer avec les enquêteurs, ce que j'évoquais tout à l'heure. La victime n'a pas non plus de pouvoir de décision sur la peine prononcée par la juridiction en cas de condamnation et ne devra jamais en avoir. Toutefois, pour ce qui est du prononcé de la peine, plusieurs articles du Code pénal et du Code de procédure pénale invitent ou imposent à la juridiction de jugement de prendre en compte les intérêts de la victime. Alors, il y en a un certain nombre. Par exemple, l'article 132-24 du Code pénal relatif à l'individualisation des peines qui prévoit très explicitement que la nature, le quantum et le régime des peines sont prononcés en prenant en compte les intérêts de la victime. Ou encore, plus récemment, l'article 130-1 qui a été créé par la loi de 2014. Alors, ça peut paraître étonnant, dans le sens où, si le droit pénal a une fonction punitive, le juge doit tenir compte des faits, de la personnalité de l'auteur, de ses perspectives d'amélioration pour déterminer s'il faut une peine privative de liberté, une amende, une peine complémentaire, etc. Et la victime n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas au regard de sa souffrance, normalement, qu'il faut quantifier la peine prononcée, puisque ce paramètre, ça relève plutôt de l'aspect réparateur. Mais là encore, les choses sont un peu brouillées. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut supprimer les dispositions que je viens de vous indiquer, qui font référence aux intérêts de la victime, pour mieux dissocier les fonctions punitives et réparatrices? Alors, je ne crois pas, au risque de paraître démagogue, mais j'espère qu'on pourra en discuter un peu. Il me semble important quand même de rappeler que le procès pénal est un procès fait par l'État contre le délinquant, mais que la victime est quand même la première concernée par les méfaits. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop théoretico-théoricienne du droit pénal, mais il faut être quand même assez réaliste et prendre en compte le sentiment de justice ou d'injustice de la victime. Parce que l'acceptation du verdict, c'est aussi un gage d'efficacité et de sérénité de la justice. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est à la victime de choisir la nature et le quantum de la peine, mais je pense que lors de l'individualisation de la peine, la prise en compte, finalement, de la gravité des faits rejoint celle du respect des intérêts de la victime. Et pour moi, la logique qui est applicable à ce stade-là se rejoint au stade de l'exécution des peines. Alors là encore, et compte tenu du peu de temps qui me reste, je ne vais pas revenir sur toute l'évolution qui s'est produite en matière d'exécution des peines. Je mentionnerai simplement l'article 707 du Code de procédure pénale qui prévoit que l'exécution des peines doit favoriser le respect des intérêts des victimes. Et aussi préciser que dans certains cas, notamment lorsque une décision qui va entraîner la cessation de l'incarcération d'une personne condamnée avant la date d'échéance de la peine va être prononcée, eh bien les juridictions d'application des peines doivent prendre en compte les intérêts de la victime. Et si elles l'estiment opportun, elles peuvent même informer la victime ou la partie civile, qui a alors un certain délai pour présenter ses différentes observations. Donc là encore, il va de soi qu'il n'appartient pas à la victime de se prononcer sur l'application des peines, mais elle a un rôle un peu consultatif ou d'information pour porter à la connaissance des juridictions d'application des peines des éléments. C'est une sorte de parallèle par rapport à la manifestation de la vérité. Alors en conclusion, faut-il repenser la place de la victime dans le procès pénal? Finalement, je n'en suis pas assez sûre, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est juste mon avis. Sur le fond, je pense que le système est assez équilibré, c'est-à-dire qu'il prend en compte les fonctions du droit pénal, même si parfois il y a un brouillage entre responsabilité pénale et responsabilité civile, tout en garantissant les intérêts des victimes. Alors à ceux qui contestent la moindre place de la victime dans le procès pénal au nom de la grande distinction entre punition et réparation, je répondrai simplement à quelques éléments. Premièrement, sans victime, il n'y a pas d'infraction, en tout cas dans la majorité des contentieux, donc il ne faut pas non plus totalement l'oublier. Deuxièmement, le besoin de vengeance, il est humain, donc autant qu'il prenne une forme judiciarisée. Et troisièmement, tant que le procès pénal n'est pas entre les mains de la victime,
mais entre les mains de magistrats qui sont des professionnels, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Les décisions sont bien prises par les magistrats et non par les victimes. Alors j'en veux une dernière preuve, c'est l'article 427 du Code de procédure pénale sur lequel il y aurait tant de choses à dire, mais je mentionnerai simplement que face à un jugement de relax et en l'absence d'appel du parquet, la partie civile ne peut interjeter appel que sur les intérêts civils. Donc ça montre bien que la partie civile n'est pas titulaire de l'action publique, donc même si elle est insatisfaite de cette relax, tant pis, la décision sur la culpabilité et la peine ne lui appartient pas. Donc il y a de réelles limitations à son action vindicative et c'est ce qui, selon moi, est rassurant. Voilà, je vous remercie.